Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo assez rapide, un petit peu express, juste pour vous présenter quelques arrivages que j'ai reçus. Donc vous avez en face de vous la Majorette Friendstouch Collection. Donc vous savez qu'il y a une nouvelle gamme de voitures qui arrive. Donc là, j'ai réussi à avoir ça, donc je l'ai acheté sur Vinted, 24 euros. Donc bah, franchement, super beau ce pack, je vais vous montrer voilà, de plus près. Alors vous avez donc la DS7 avec la déco de Tour Eiffel. Vous avez la Mégane exclusive, voilà, très sympa aussi. La superbe DS, DS21, l'R5 Turbo. Et enfin, la DS4, voilà, avec la déco aussi du Moulin Rouge. Voilà. Donc ça vaudra entre 18 et 25 euros. Hein, donc j'ai réussi à la trouver à 24 euros sur Vinted, sur le vendeur Mininch, si vous connaissez. Voilà, donc ce sera disponible bien sûr en vente séparée. Par contre, vous n'aurez pas la Mégane et la R5. Comme vous voyez, c'est exclusif au SPAC. Donc vous pouvez aussi retrouver d'autres véhicules. Hein. Il n'y a pas tout, hein. Il en manque aussi. Hein. Voilà, super pack bleu, blanc, rouge, magnifique. Franchement, bon, je vais pas l'ouvrir. Hein. Comprenez bien que j'essaye de les garder en neuf. Mais de toute façon, je vais les acheter en séparé, hein, comme j'ai dit. Il y a aussi la gamme Deluxe, avec les boîtes métal qui va sortir. Il y a aussi les trailers, les véhicules avec les remorques. Avec des régions, Pays Basque, etc. Franchement, magnifique, hein, allez voir sur Internet ce que ça donne. Hein. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Donc voilà pour ce pack, très content. Donc ça va être dispo en magasin ce week-end ou la semaine prochaine. Hein, ça dépendra de votre. S'ils arrivent à les avoir, quoi, du coup. Voilà, très sympa, très content. Franchement, ça claque. Même la boîte est magnifique. Le fond, c'est Paris, vous voyez, la Tour Eiffel. Voilà. On peut distinguer à peu près, quoi. Si je fais un peu plus de lumière, je ne sais pas si vous verrez bien. Non, c'est pas, ce sera pas mieux. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. J'ai aussi quelques nouveautés à vous présenter. Donc, j'ai une Majorette et deux Tomica. Alors, j'ai aussi trouvé ça. Alors, je l'avais déjà, le Cutron. Mais là, c'est pour l'ouvrir. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir. Hop! Hop, voilà. Alors j'ai acheté à celle-ci à Leclerc, 3 euros et quelques, hein, 3,50 je crois. Hop, on va l'ouvrir. J'aime beaucoup les véhicules chromés, ils sont magnifiques. Hein. J'ai déjà le DS7. Hop, alors voyons ce que ça donne. Ah ouais, superbe. Très très joli. Hein. Avec la lumière, je sais pas si on verra mieux. Attendez, je vais remettre. Voilà. Donc voilà, superbe. Donc vous avez bien sûr les portières ouvrantes. Donc. Moi j'avais déjà en jaune celui-là. Là ça fera un deuxième en chromé. Voilà, très sympa. Avec le numéro 23. Donc c'est une Audi Q4 e-tron 2022. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer au Tomica. Alors la carte, bon, voilà. On va passer à la Tomica. Alors j'ai une Ferrari. Donc la Ferrari F8 Tributo. Que j'ai acheté 7 euros. Je vous la présente tout de suite. Voilà. Donc elle est superbe. Vraiment assez agressive et tout. Vraiment sympa, quoi. Voilà. En dessous, ça se présente comme ceci. Fabriqué au Vietnam. 2019. Alors il n'y a pas d'ouvrant malheureusement, mais bon, ça passe. C'est quand même une belle miniature, assez détaillée. Moi j'aime bien. Donc ça rejoindra ma petite collection de Tomica. Ensuite, une petite pépite, regardez. Une Mercedes 300 SL en état vraiment comme neuf. Alors j'ai payé 15 euros ceci. Alors c'est une somme, hein, mais allez voir les prix. Elle est vraiment superbe. De 1900. C'est quoi la date? Il n'y a pas la date, mince. Zut. Fabriqué au Japon, bon, ça doit être dans les années 70, hein, j'imagine, 80 peut-être. Bien sûr, il y a les portières ouvrantes, hein, bien évidemment. Voilà. Hop. Ah zut, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc l'intérieur est rouge, magnifique. Elle est vraiment pépite, hein, celle-ci. Hein. Voilà. Vraiment. Très très belle.
Faudrait que j'essaie de choper la SLS aussi. Elle existe en Tomica, avec les portières ouvrantes. Ça ferait un combo quand même bien sympa. Donc voilà pour ça. Elle est vraiment clinique, hein. Je suis très content. Voilà, bon, petite vidéo aujourd'hui. Donc dès que je reçois mes autres colis, ça devrait pas tarder, je pense demain ou après-demain. Je vous ferai la suite, hein, parce que je reçois beaucoup de voitures en ce moment. Mais dites-moi en commentaire quel est votre préféré parmi cette petite sélection. Merci à tous. Ciao.